Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à liker, à commenter, à partager, à interagir. Et ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage à continuer. Aujourd'hui, je vais répondre justement à une question qui m'a été posée par Jenny et qui me demande comment on utilise dans Vray des textures personnalisées qu'on récupère, alors soit une photo, soit des textures qu'on prend sur internet ici et là, et comment on en fait quelque chose de joli, quoi, avec du relief, de la brillance, etc. Enfin, un vrai matériau. Donc c'est super simple, simplement, il faut savoir le faire. Je vais prendre donc 5 minutes, je vais essayer d'être bref pour faire ça, je vais créer un plan, et je vais lancer le rendu interactif en me plaçant à peu près devant le personnage comme ça. Le rendu interactif, c'est celui-là, avec la petite main, qui me permet de, quand je bouge, le rendu bouge lui également, à permettre de voir un petit peu ce qui se passe en temps réel. J'ouvre l'asset editor. Alors je rappelle pour tous ceux qui veulent se mettre à Vray pour SketchUp ou à SketchUp tout court, qu'il y a dans la description de cette vidéo des formations qui sont complètement gratuites et qui sont destinées aux débutants. Alors si vous êtes déjà chevronné, c'est pas la peine d'y aller, mais si vous voulez savoir un petit peu comment on s'y retrouve dans l'interface, comment on modélise, comment on fait les premiers rendus, etc., ben allez-y, ça vous permettra de démarrer un peu plus vite. Et pour les autres, ben on continue. J'ouvre donc l'asset editor ici, je reste dans matériaux. On voit que j'ai quelques matériaux qui correspondent en fait aux matériaux qui sont sur le personnage qui s'appelle Chris. Moi je vais aller en bas à gauche et je vais faire ajouter un matériau, add materials. Dans la liste je fais générique et ce matériau apparaît donc dans la liste. Je vais le renommer, clic droit, rename, et je vais l'appeler mon matériau par exemple. Mon matériau donc est donc créé ici. Automatiquement, il se sélectionne dans matière. Donc, je clique dessus, j'ai le pot de peinture, je l'applique ici. Super. Maintenant, tout va jouer dans la partie droite, ici, de l'asset editor, des matériaux. On va jouer avec diffuse, avec réflexion, et avec ce qui est caché ici, bump map, normal mapping, qui va nous permettre de faire du relief sur la texture. Donc, le diffuse, c'est ce qu'on voit. C'est une couleur pour l'instant. Donc, si je peux changer la couleur, je peux mettre du rouge, on va voir du rouge, je peux mettre du bleu, on va voir du bleu. Bleu ou vert, pas trop. Maintenant, si je veux remplacer ça par une image, il suffit que j'aille en bout de ligne ici, il y a ces damiers là, je clique dessus, il y a une liste apparaît à gauche, je choisis bitmap, image, et là, l'explorateur s'ouvre et me propose de choisir des images. Alors, moi je vais choisir l'image d'un vieux bois comme ça, les dégrader là dans des profils colorimétriques différents. On va voir à quoi ils servent juste après, mais ça, j'ai un tuto qui va vous expliquer comment on fait ce genre de textures qui vont nous servir à faire du relief, etc. J'ai un tuto que je vous mets tout de suite en description et qui en fait est ici sur ma chaîne, voilà, qui s'appelle « Deux outils pour réussir vos textures ». Alors, vous allez voir, c'est super simple, il y a un outil qui est complètement gratuit qui permet de faire des textures comme ça, avec du relief. C'est ce site-là, Normal Map Online, alors qui a un petit peu de mal à s'afficher, voilà, qui est accessible donc sur le web. Je vous laisse regarder tout ça, je reviens sur le sujet du jour, SketchUp, hop, voilà, editor, et donc, où est-il? Il est ici, je choisis donc l'image de vieux bois, comme ça, et bon, la couleur verte va être remplacée par le vieux bois. Il y a un problème d'échelle quand j'importe, puisque, je ne vais pas s'actualiser, on va le forcer un petit peu, puisqu'il y a, l'échelle est pas bonne en fait, si je zoome un petit peu, je vois que, le parquet est bien là, mais le personnage n'en est pas du tout à l'échelle. Pourquoi? Parce que quand je viens ici dans matière, édition, j'ai l'échelle qui est renseignée et j'ai 25 cm. Ça veut dire que toute l'image de bois que je vous ai montré, elle est répartie sur 25 cm. C'est pas très réaliste, je vais plutôt multiplier par 10, je rentre, puis on devrait être sur quelque chose qui, voilà, qui commence à ressembler à la réalité, même si c'est un peu grand, mais c'est pas grave. Un peu, voilà. Maintenant, j'en ai fini avec le diffus. Vous voyez que si je modifie la couleur, il se passe plus rien, puisque l'image prend le dessus sur le réglage de la couleur lumineuse. Je ferme le diffus, je vais dans réflexion. La réflexion ici, elle est activée, mais ça suffit pas à la rendre visible. Il faut aller dans reflection color et passer la couleur du noir, qui veut dire inactif, vers le blanc. Alors je pousse le curseur par là. Et ici, ça devient complètement reflétant. On voit bien le reflet du personnage. Alors, je vais avec reflection glossiness qui est à 1, je vais baisser un petit peu. Vous voyez que si je mets à 0, encore une fois, ça redésactive, c'est comme si j'avais laissé noir ici. Ben, je vais mettre quelque chose dans les 0,6, 0,7. Voilà, on voit que le reflet se dégrade un petit peu, il est un peu moins actif, c'est très bien. Maintenant, ça reste très lisse tout ça, très lisse.
je fais ma réflexion et je viens dans Bump Normal Mapping, je l'active et je viens sur la ligne ici, sur le damier, parce que ça, le Bump Mapping, c'est contrôlé par une image et c'est contrôlé justement, donc je viens sur Bitmap, par les images tout à l'heure. Donc notamment l'image violette qu'on appelle un Norm Map. C'est la même image que le diffus, mais dans un profil un peu violet, RGB comme ça, générer du relief. Alors ça, vous faites avec le site que je vous ai montré tout à l'heure, ça se fait automatiquement, c'est très simple. Une fois que vous l'avez, vous le sélectionnez, ouvrez, et vous allez voir comme par magie, si du relief apparaît sur le bois, et rendre la texture, mais alors, beaucoup plus intéressante. Il va falloir régler un petit peu, je laisse l'ordinateur travailler. Mon ordi qui est pas super rapide, là. Et vous voyez que là, j'ai un relief par rapport à tout à l'heure qui est apparu. Si ce relief est trop fort, j'ai le amount ici, qui est à 1, je peux le mettre à 0, il n'y a plus de relief. Si je le mets à 1, voilà, il n'y a plus de relief du tout. Si je le mets à 0, quelque chose, bah c'est pareil, j'aurai une valeur intermédiaire. C'est pas plus compliqué que ça, ça marche avec toutes les textures, toutes les photos, pour faire ça avec n'importe quoi. Alors, évidemment, avec du bois, du carrelage, des briques, ça marche super bien. Et je vous laisserai tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à liker, à partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Ciao !